Une brève histoire du XXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, les gens se lavaient rarement. Toute la famille se lavait dans la même bassine. Oh, toute la famille plus les voisins. Et les nazis les envoyaient dans des installations appelées chambres à gaz. Et en juillet 1947, un bateau qui s'appelait Exodus accosta en Palestine. Il fallait inventer un mot où plus personne ne serait asservi. Et ils écrivaient sur les murs : il est interdit d'interdire ! Il est interdit d'interdire ! Beaucoup de gens pensaient que la contraception était le plus grand événement du siècle. Et en 1914, une Française inventa le soutien-gorge. Une Française.